Le 2 novembre 2014, Yann Guichard prendra le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe à la barre de Spindrift 2, le plus grand trimaran de course au monde. Seul à bord de ce géant, il va traverser l'Atlantique de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Un bras de fer de 6700 km avec plus de 80 concurrents. Rallier la Guadeloupe par la mer, c'est comme traverser 92 fois le lac Léman, enchaîner 191 tours du périphérique parisien ou encore parcourir la muraille de Chine d'un bout à l'autre. Le maxi-trimaran Spindrift 2 culmine à 41 mètres. C'est aussi haut que l'Arc de Triomphe à Paris, que la Statue de la Liberté à New York et que le Christ de Corcovado à Rio de Janeiro. Avec une coque centrale de 40 mètres, ce bateau aux mensurations uniques est donc presque aussi long que haut. Spindrift 2 est fait de carbone et pèse 21 tonnes, soit le poids de 3 orques ou de 3 millions de smartphones. Il est extrêmement rapide. Sa vitesse de pointe peut atteindre celle d'un lion qui chasse, soit 90 km/h uniquement grâce à la force du vent. Spindrift 2 est un engin deux fois plus rapide que le célèbre Space Mountain. Alors pour être aussi puissant, il utilise de très très grandes voiles, jusqu'à 800 mètres carrés au total, soit l'équivalent d'un parking de 80 voitures. Pour tous les réglages du bateau, 2,5 km de cordage court des trois coques jusqu'en tête de mât. Mis bout à bout, tous ces bouts seraient aussi longs que 50 bassins olympiques. Il faut savoir que la grand voile, à elle seule, pèse 450 kg, soit 6 fois le poids de Yann. Chaque manœuvre est un vrai tour de force. Par exemple, changer une voile, c'est une heure d'effort non-stop. Résumons, courir la route du Rhum à bord de Spindrift 2, c'est faire tout seul, en une semaine, 191 tours de périphérique sur le dos de 3 orques, avec 80 voitures au-dessus de la tête, qui vous propulsent à la vitesse d'un lion. Alors, rendez-vous le 2 novembre à Saint-Malo pour suivre Yann et le départ de la route du Rhum.